Voilà, bienvenue dans cette vidéo sur les acides bases, donc la quatrième d'une série de quatre. Donc on va voir la prédominance en fait des espèces chimiques entre l'acide. Alors si je prends un indicateur coloré, on regarde sa couleur en fonction du pH. On peut voir qu'il y a deux couleurs prédominantes. Donc il y a la couleur jaune dans cette zone-là, la couleur bleue ici. Et en fait au milieu, on a un mélange entre jaune et bleu. Ce qui veut dire qu'en fait, on avait vu que un indicateur coloré c'était un couple en fait acide-base. Et donc vous avez l'acide du couple AH, lui, qui est jaune, et la base du couple, donc A-, elle, qui est bleue. Et on va donc sans arrêt passer de l'un à l'autre selon la valeur du pH. Alors la formule cruciale qu'on va utiliser donc dans cette vidéo et qui va nous permettre de comprendre la prédominance, c'est cette relation-là. En fait, comment on l'obtient, cette relation-là? En fait, tout part de la constante d'adicidité qui se calcule comme ça. Je rappelle que donc l'équation qui correspond à cette constante d'acidité, c'est la réaction de l'acide dans l'eau, où vous avez donc l'acide qui va donner un H plus H2O, cet H2O va devenir H3 plus, et l'acide qui a perdu un H plus va devenir la base A-. Donc on a les produits au-dessus, les réactifs en dessous, mais pas H2O puisque c'est le solvant. Donc, qu'est-ce que ça donne? Une fois qu'on a ce cas, on va pouvoir appliquer le moins log des deux côtés. Donc le cas qui est ici, toute la fraction qui est ici, on applique moins log des deux côtés. Lorsqu'on a une multiplication dans un log, on peut en fait la couper en deux logs avec une addition. Alors pourquoi il n'y a pas addition ici? Parce qu'il y avait ici moins devant qui était en facteur. Et donc du coup, on a la base sur l'acide qu'on trouve ici, base sur l'acide, et H3 plus qui est tout seul. Ben, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Du coup, on va retrouver en fait, bon, moins log de K qui ne va pas bouger, moins log de base sur acide, je vais le mettre de l'autre côté du gaz, ça va devenir plus, et du coup, on va avoir moins log d'H3 plus qui va être là. Et donc, qu'est-ce qu'on reconnaît en fait? Ben là, on reconnaît ici le pKa, on reconnaît ici le pKa, ici, en moins log d'H3 plus, on reconnaît le pH, et donc, le plus log de A moins sur H, il va rester. Et donc ça va nous redonner la formule qu'on a trouvée ici. Donc sauf que c'était inversion gauche-droite. Le pH ici est égal pKa plus log de base sur acide. On retrouve également ici. Donc cette formule-là, là, il va falloir la retenir et on va essayer de comprendre comment l'interpréter. Pour montrer cette équation donc est réelle, on va pouvoir faire une expérience. Donc avec un pH mètre pour mesurer le pH, un agitateur magnétique pour faire le mélange, dans un bécher, on va avoir l'acide atomique, aussi on aura sa base, donc l'ion éthanoate, et donc une mesure de volume avec une éprouvette graduée. Avec tout ça, on peut faire des mélanges différents entre le volume de base et le volume d'acide, ici, donc 10 millilitres sur 25. 20 millilitres et 5 pour l'autre, ainsi de suite. Et donc ça va nous donner un certain rapport qui va donner un rapport entre les concentrations. On applique la fonction log, et donc ça va nous donner ces valeurs-là. Et simplement au pH mètre, on a toutes ces mesures-là. Donc on a fait 4 mélanges avec 4 mesures de pH, ce qui va nous permettre d'avoir un graphique. Donc ça va être le X, et ça va être le pH, va être le Y du graphique. On obtient ceci. Donc 4 points qui sont étrangement alignés. Et qui vont nous permettre de montrer qu'en fait, on a bien la relation pH égale pKa plus log de base sur acide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pH, il est en Y. Ensuite, le pKa, il va servir de petit b, donc c'est-à-dire d'ordonnée à l'origine. Ensuite, donc cette ordonnée à l'origine, c'est justement, ça va donner la valeur du pKa, en fait. Donc il va être ici de 4,7 pour ce couple. Et en x, on a le log de base moins acide. Donc ce qui fait qu'on va en fait simplement, avec cette droite qui la forme y égale a fois x plus b, on va retrouver en fait pH est égal à, donc a, mais c'est la pente, c'est 1, donc une fois, donc log de base, concentration de base sur concentration d'acide, qu'on a ici, c'est-à-dire le x, en fait, plus le pKa, qui est en fait la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on obtient une droite de pente 1 en fait. Donc maintenant que cette équation est démontrée, on va pouvoir travailler dessus. On se rappelle et on n'oublie pas qu'on a sans arrêt bascule
passage de l'acide à la base avec un proton qui a changé, un proton qui arrive ou qui part. Et donc, cette formule cruciale là qu'on va exploiter, ça va être ceci. Domaine de prédominance. Alors, on va avoir trois cas. On va prendre le cas où on a les deux concentrations qui sont égales. Si les deux concentrations qui sont égales, quand on fait la division, ça fait 1. Et log de 1, en fait, ça fait 0. Donc, dans notre formule ici, si j'ai pH égale pK plus 0, ben ça veut dire qu'en fait, je vais avoir pH égale pKa, tout simplement, dans la situation spéciale où j'ai les deux concentrations qui sont égales. Deuxième situation, si je dis que le pH prédomine, c'est-à-dire la plus grande quantité, donc la concentration d'acide plus grande que celle de base. Donc ce qui fait que quand on fait la division de base sur acide, on va avoir un résultat qui va être inférieur à 1. Et quand on fait un log de quelque chose inférieur à 1, ça donne un log qui va être négatif. Donc je vais faire pH égale pK plus quelque chose de négatif. Donc ça va faire en fait, à la fin du compte, que le pH va être plus petit que le pK. Donc ça va me donner une zone où le pH va varier. En fonction, ça va me donner une zone où le pH va être plus petit que le pKa. Et donc là, ce sera l'acide qui va prédominer. On va voir le troisième cas. Cette fois-ci, ça va être la base qui va dominer, donc qui va être en plus grande quantité. Et donc, ça veut dire que sa concentration va être plus grande que celle de l'acide. Et donc, quand on fait le rapport à concentration de base sur concentration d'acide, on va avoir quelque chose de plus grand que 1. Et log plus grand que 1 va donner quelque chose de positif. Et donc, du coup, si ça donne quelque chose de positif, pour ce log, ça veut dire que le pH, il va être égal à pKa plus quelque chose. Donc le pH, il va être plus grand que le pKa. Et donc, on va voir cette troisième zone. On va voir ça de manière un peu plus simple, visuelle. Et donc, on va retrouver les trois zones. La première zone, quand les deux bases, la base et l'acide, pardon, sont en même concentration, donc on va avoir le pH qui est égal à pKa. Donc c'est en fait une zone qui va être limitée à un seul point. Ensuite, vous avez quand l'acide prédomine, on est à pH en dessous du pKa, ce qu'on avait vu ici. Et lorsque la base prédomine, on va avoir un pH qui va être au-dessus du pKa, ce qu'on avait vu ici. Donc, on va aller un petit peu plus loin que le programme de terminal S. On va voir donc ce diagramme de distribution qui va permettre de mieux comprendre en fait. Ce qui se passe, c'est que donc on avait vu la première situation, c'est quand la concentration de base ici et d'acide ici sont les mêmes. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai 100 molécules d'acide, elles vont pouvoir se transformer en base. Donc j'ai toujours 100 au total. Donc ça veut dire qu'ici, lorsque j'ai égalité, ça veut dire que j'ai 50% d'acide et 50% de base. J'ai moitié-moitié. Et donc dans ce cas-là, on a pH égale pKa. On avait vu que quand le pH est inférieur au pKa dans cette zone-là, c'est l'acide qui prédomine. Effectivement, la courbe de l'acide est la plus haute. Donc, c'est l'acide qui est le plus important en quantité. Et quand on avait vu, quand le pH est plus grand que le pKa, c'est la base qui prédomine. Donc, c'est elle qui va être en plus grande quantité par rapport à l'acide. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un déplacement de 1 ici, voilà, on se retrouve ici. Quelle valeur j'ai, par exemple, pour l'acide et pour la base? En fait, j'ai 90% pour la base et 10% pour l'acide. En gros, j'ai à peu près un rapport de 10, j'ai à peu près 10 fois plus. Donc en fait, en réalité, ce serait 9,90 ici, puis 9% ici, voilà. Presque 91 en fait, et pour avoir le 100% total. Et donc du coup, ça veut dire que là, j'ai un rapport de fois 10. On voit que j'ai la base qui est 10 fois plus abondante que l'acide lorsque je fais plus 1 ici. Alors si je faisais plus 1 dans le pH, en fait, il y aurait ici en fait, presque 1% et là 98%. Donc j'aurais un rapport de fois 100. Donc à chaque fois que je vais déplacer vers 1 vers la droite, j'ai de la base qui est 10 fois plus nombreuse que la situation d'avant par rapport à l'acide. Et inversement, si je vais de l'autre côté, je fais moins 1 ici, on va se retrouver ici en fait à 9% de base et en fait ici à 90-91%. L'acide. Donc cette fois-ci, c'est bien l'acide qui est 10 fois plus nombreux en fait que la base. Et si je descends moins 2, j'aurai la même chose que tout à l'heure, ça va faire que l'acide va être 100 fois plus nombreux que la base. Donc ça montre bien qu'on a en fait bien la prédominance de l'un ou de l'autre et qu'on n'arrête pas de passer de l'un à l'autre surtout et que la quantité totale va être toujours la même. Ici, je prends 100 pour avoir 100%.
Si je reviens aux indicateurs colorés, du coup, en fait, puisque j'ai l'acide qui prédomine là-bas, j'en ai quasiment pas, on voit que ça va me donner la couleur de l'acide. Ici, c'est la base qui prédomine, et donc j'ai quasiment pas d'acide. Donc c'est la base ici qui prédomine. Là, j'ai la base, et là, j'ai l'acide. Et au milieu, pourquoi j'ai un mélange? Là, parce qu'au milieu, ici, dans cette zone-là, je suis avec des pourcentages entre les deux qui sont à peu près égaux. Et donc, du coup, je vais avoir un mélange des deux. Et donc, là, ici, j'ai un petit peu moins de base que d'acide. Donc, j'ai un peu plus de jaune que de bleu. Et donc, ça va être un peu jaune-vert. Ici, inversement, de ce côté-là, j'ai plus de base que d'acide. Donc, je vais avoir plus de bleu que de jaune. Et donc, je vais avoir un vert qui va tendre sur le bleu. Donc, j'ai toute cette zone ici de virage qui va correspondre à la situation où j'ai les concentrations entre acide et base qui ne sont pas très, très différentes, pas énormément différentes, en fait. Du coup, on va revoir les domaines de prédominance. En fait, l'acide tannique, l'iméthanoate, ils ont en fait un pKa qui est égal à 4,7 ici. Du coup, on a en fait en dessous, on a l'acide qui prédomine, au-dessus, c'est la base. La même chose ici pour ce couple NH3+, NH2, donc le pKa est 9,7. Donc la base est au-dessus quand le pH est au-dessus de 9,7 et l'acide est présent quand le pH est en dessous de 9,7. Pour ce diacide, il va se passer la même chose, à savoir que, donc comme c'est un diacide, il va avoir 2 pKa. Donc le premier H+, là, qui se libère ici, va donner un premier couple qui va être là. Ce premier couple va avoir un pKa de 2,3. Et là, on va avoir un deuxième couple avec ce pKa qui va être de 9,9. Alors maintenant on a donc la situation particulière qu'on avait vue tout à l'heure qui était ici quand les deux bases, la base et l'acide sont en quantité à peu près égale, donc on a moitié-moitié, on va avoir ce qu'on appelle les solutions tampons. Les solutions tampons c'est quoi? Ce sont des solutions qui maintiennent approximativement la même pH malgré l'addition de petites quantités d'acide, de base ou d'eau. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que si on ajoute un acide, vu que les deux, l'acide et la base sont présents, si on ajoute un autre acide, bah, la base qui est présente va l'éliminer. Si on ajoute une autre base, l'acide du couple qui est présent va l'éliminer. Donc à chaque fois, on va avoir une neutralisation par l'un des deux membres du couple. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, lorsqu'on est autour du pKa, donc le pH est à peu près égal au pKa, on a les deux qui sont présents à moitié-moitié, donc ils vont pouvoir éliminer un acide extérieur ou une base extérieure donc à ce couple. Pour faire en sorte que finalement, bah, le pH, il se maintienne à une valeur qui soit autour de leur pKa. Donc ce sont des solutions qui sont particulières. Et donc ces solutions tampons, on va s'en servir donc en laboratoire pour avoir des solutions qui ont un pH très, très stable, pour pouvoir justement étalonner les pH mètres, régler les pH mètres. Ou alors en biologie, en microbiologie, on a besoin de solutions qui sont tamponnées avec un pH qui soit bien stable pour que donc les différentes microbes, bactéries ou moisissures puissent pousser convenablement. Voilà, vous savez tout sur le domaine de prédominance maintenant, entre un acide et la base d'un couple. Et donc c'était la dernière vidéo d'une série de 4 sur les acides-bases, donc en terminale.